Namasté, bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un monstre culinaire de la cuisine indienne, le biryani. J'ai choisi de le faire au poulet. Il faut savoir que le biryani est un des plats les plus populaires dans toute l'Inde, dans chaque région de l'Inde. Il possède beaucoup de variations différentes suite à l'utilisation de certaines épices ou de préférences culinaires de la région. C'est un plat qui amène à la célébration, c'est un plat pour faire la fête, c'est un plat pour se faire plaisir, c'est un plat à cuisiner et à préparer en famille. De plus, nous sommes en période de Ramadan, donc c'est un plat vraiment idéal pour nos amis musulmans pour casser leur jeûne, parce qu'il se mange en famille et aussi parce qu'il remplit vraiment très bien l'estomac et il est vraiment succulent. Donc voilà, aujourd'hui ma vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, vous m'excuserez, c'est juste parce que le biryani est un plat qui est vraiment très très difficile à réaliser du premier coup. Et donc le but n'est pas de me mettre en avant, mais surtout vraiment de partager les petits trucs, les astuces et les techniques pour que vous puissiez le réussir chez vous sans aucun souci. Car la plupart des recettes que vous allez trouver vous montrent la marche à suivre, vous montrent les ingrédients, comment faire la marinade. Mais très rares sont celles qui vous expliquent vraiment toutes les petites astuces pour ne pas rater le biryani. Car le biryani est un plat qui peut se rater très très rapidement. Et donc, ma recette à moi, en fait, n'est que le résultat de nombreuses erreurs que j'ai corrigées par la suite. J'ai également eu l'occasion d'aller observer des spécialistes du biryani à Bombay durant mon dernier voyage. C'était vraiment une expérience magnifique. Malheureusement, j'ai pas su le filmer. Donc c'est vraiment malheureux pour vous, parce que j'ai vraiment adoré observer, de voir la manière dont ils le préparent. Il faut savoir qu'ils le préparent parfois dans un endroit qui a peut-être 3 mètres carrés, donc sans ustensiles modernes. Et malgré tout, c'est là où on découvre la grandeur de ce plat qu'est le biryani. Et c'est aussi un plat qui prend du temps à se cuisiner, à se préparer. Et c'est peut-être aussi pour ça que moi, en tout cas, de mon expérience dans les restaurants indiens en Europe, je suis très déçu du résultat des biryani, du fait que c'est un restaurant, ils n'ont peut-être pas tout le temps de le préparer comme il faut. C'est pour ça qu'en Inde, il y a vraiment des spécialistes qui ne font que du biryani. Ce sont des familles qui transmettent leur savoir de père en fils. Et ils ont des petits secrets qu'ils ne partagent pas. Et donc voilà, c'était pour ça aussi que je n'ai pas pu filmer cette expérience magnifique. Mais je vais quand même essayer lors de mon prochain voyage. Je partagerai ça avec vous. Et donc en attendant, commençons. Même s'il est très rare de pouvoir réussir son biryani du premier coup, je vous invite vraiment à le préparer comme je vous le propose. Peut-être que vous avez déjà essayé un biryani, mais un biryani n'est pas l'autre. Donc soyez curieux et même si vous avez déjà cuisiné un biryani auparavant, écoutez mes petits trucs et astuces, vous pouvez peut-être améliorer la recette que vous avez chez vous. Le but est vraiment que vous goûtiez à ce biryani comme il se mange en Inde en fait, parce que c'est ça le but. La première astuce, c'est de ne pas négliger ses oignons. Les oignons offrent un goût essentiel au biryani. Et donc il faut vraiment prendre le temps de bien les frire. Moi je les fais à la friteuse à 150 degrés et j'ajoute un peu de sel au préalable. C'est vraiment très très important de ne négliger pas cette étape s'il vous plaît.
Ensuite, ne négligez pas vos pommes de terre non plus. Le but en fait est d'avoir l'extérieur de la pomme de terre un peu crispy, un peu croustillant, tout en ayant une pomme de terre douce à l'intérieur. Et n'oubliez pas qu'elle va encore cuire lors de la cuisson du biryani. Et pour la marinade dans tout ça, la marinade est une des étapes les plus cruciales. Ne la ratez pas, prenez le temps de le faire, ne le faites pas la va-vite. Assurez-vous aussi d'avoir assez de temps pour qu'elle se repose, au minimum 4 heures. De préférence, le préparer la veille, comme ça vous pouvez l'utiliser le lendemain. Elle aura passé toute la nuit et la viande se sera imprégnée vraiment de tous les ingrédients que vous allez ajouter. Assurez-vous également d'avoir une quantité suffisante de menthe et de coriandre, parce que ces herbes aromatiques ajoutent un goût primordial au biryani. Assurez-vous également d'avoir un bon yaourt, un yaourt de qualité. Moi j'utilise un yaourt biologique, mais comme bon vous semble, hein, c'est à vous à choisir le yaourt qui vous plaît. Si vous avez fait du yaourt chez vous à la maison, utilisez-le, ce sera encore meilleur. Et donc voilà, le maître mot, c'est de ne pas négliger cette marinade. Aussi, un petit point important, c'est que normalement, après avoir préparé votre marinade, les arômes qui en ressortent seront déjà un indicateur de la réussite de votre biryani.
de trouver un basmati de qualité. Donc, choisissez plutôt des marques telles que Tilda, telles que Kohinoor, telles que L'Aquila, telles que Tony Ford Mantra, qui est un riz basmati biologique. Ce sont des riz qui se trouvent généralement assez facilement dans les supermarchés indiens et même les supermarchés asiatiques en général, en ligne aussi. Donc allez voir la boîte de description, je vous mettrai quelques petits liens pour vous donner une petite idée. Ensuite, du fait que c'est un ingrédient principal, chouchoutez-le. Ça, c'est le maître mot. Donc prenez-en bien soin. Donc en fait, submergez-le pendant une heure avec de l'eau chaude. Ensuite, il suffit de le rincer, de le laver 4 à 5 fois jusqu'à ce que l'écoulement de l'eau soit transparente et claire. Lorsque vous le cuisinez pendant 8 à 9 minutes maximum, n'oubliez pas qu'il va encore cuire pendant la cuisson finale. Donc de 8 à 9 minutes maximum. Donc quand vous plongez votre riz dans votre eau bouillante, n'oubliez pas de le parfumer avec des feuilles de laurier, de la cannelle, des grains de cardamome. Ça ajoute un petit plus au goût final du biryani. Vous verrez, ce sera très bénéfique pour votre biryani et votre estomac, parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'il faut. Donc voilà. Voilà, maintenant passons à l'étape suivante qui est la cuisson finale. C'est l'étape où je vous recommande vraiment d'être très concentré et d'y porter une attention particulière. La réussite de votre biryani en dépend. Sachez que cette réussite dépend bien évidemment de plusieurs facteurs. Le premier, c'est le choix de votre casserole. Je vous conseille une casserole à fond épais et assez volumineuse, bien évidemment. Moi, j'utilise personnellement une casserole de type Le Creuset avec un fond épais et qui retient bien la chaleur à l'intérieur.
Ensuite, le deuxième facteur est de ne pas brûler votre biryani pendant la cuisson. Donc, c'est-à-dire qu'il est hyper important de bien connaître l'intensité du feu de votre cuisinière. Donc, en fait, les timings que moi je vais vous donner, sachez que moi je cuisine à l'électricité. Donc, prenez-en compte en fonction du fait que vous cuisinez au gaz, ou à l'électricité ou à l'induction. C'est vraiment important. Donc, la première étape est bien évidemment de cuire votre poulet, votre masala, donc votre marinade, pendant une vingtaine de minutes. Si vous le faites à l'électricité, donc si vous cuisinez au gaz, vérifiez de temps en temps que le fond ne brûle pas et vérifiez bien que votre marinade cuit proprement. Ensuite, il s'agit de mettre votre riz au-dessus. Lorsque vous mettez votre riz au-dessus, la phase finale, c'est de bien fermer votre casserole, de rabaisser la flamme et cuisez le tout pendant 30 à 40 minutes. Je le répète, cela dépend bien évidemment de votre cuisinière. Un bon indicateur serait en fait une fois que vous avez mis votre couvercle, après 5 à 10 minutes, allez toucher votre couvercle, ça devrait vous indiquer si la chaleur monte et cuit votre plat de manière homogène et si le feu est trop puissant bien évidemment. Ensuite à la fin, il suffit tout simplement de retirer votre casserole de votre feu, de le laisser pendant un quart d'heure infuser et cuire dans sa propre chaleur et seulement après vous pouvez retirer votre casserole et servir votre biryani à vos invités, à votre famille, à vous-même. C'est toujours aussi agréable de pouvoir accompagner son biryani d'une petite raita. Et voilà, j'espère vous avoir donné les petits trucs, les petites astuces. Je vous répète encore une fois, vérifiez bien que votre marinade ne brûle pas au fond de votre casserole. Ce serait dommage, après tous ces efforts, de rater un tel délice. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée. À bientôt, au revoir.
by Cheyenne.